Les cartes d'équipement sont reconnaissables par leur haut de carte marron et par leur symbole représentant un pistolet. Remarquez que les cartes portent aussi le symbole des cartes d'action, car elles sont jouées de la même manière et avec les mêmes restrictions. Pour mettre en jeu une carte d'équipement, le minion actif doit locker et mettre face ouverte sur la table la carte d'équipement en question. Les cartes d'équipement représentent les armes, le matériel électronique et les autres possessions qu'un minion peut apporter en jeu par le biais d'une action. Cette action sera appelée « Equip Action ». Par défaut, et même si cela n'est pas indiqué sur la carte, toutes les actions qui mettent un équipement en jeu sont non dirigées à plus un stealth. Le coût d'une carte d'équipement ne sera payé que si l'action de la mettre en jeu est réussie et n'est pas bloquée. Une carte d'équipement entre en jeu placée sous le minion qui l'a joué. Cet équipement octroie immédiatement ses effets et ses avantages au minion qu'il possède. Un minion peut aussi s'équiper d'une carte d'équipement possédée par un autre minion contrôlé par le même Metzula. Si tel est le cas, le Metzula n'a pas besoin de jouer les cartes d'équipement de sa main. Il n'y a pas de limite à la quantité de cartes d'équipement qu'un minion peut avoir simultanément. Les mots-clés se retrouvant sur les cartes d'équipement n'ont pas d'effet en tant que tel. Seulement, d'autres cartes peuvent avoir des effets sur elles si elles sont jouées ou si elles sont en jeu. Par exemple, Concealed Weapon peut faire entrer en jeu, lors d'un combat, une carte d'équipement contenant le mot-clé « Weapon ». Certains équipements peuvent être utilisés lors d'un combat. La carte IR Goggle donne chaque combat une maneuver optionnelle au minion qui en est équipé. Certaines cartes d'équipement, typiquement des weapons, offrent une strike spéciale au minion qu'il possède. Si un minion possède une telle arme, il sera en mesure d'utiliser sa strike au moment de décider de son attaque lors d'un combat. Par exemple, un minion qui possède un 44 Magnum pourra décider d'utiliser la strike proposée par le 44 Magnum au lieu de faire une hand strike ou de jouer une carte de combat de sa main. Certaines cartes de combat, telles Canine Horde ou encore Fast Hands, peuvent détruire ou voler une weapon en jeu. À tout moment, si un équipement est détruit, il sera défaussé.